Autopolis, la cité de l'automobile, occupe une superficie de 90 hectares. Elle abrite 25 000 habitants et 16 000 machines. Ces machines permettent aujourd'hui aux hommes de façonner la fonte et l'acier aussi aisément que jadis le bois ou la terre glaise. Le travail débute au laboratoire, car pas un morceau de métal ne sera utilisé sans que la composition n'en soit scientifiquement éprouvée. Ainsi, la qualité pourra-t-elle être constamment maintenue dans la fabrication moderne en grande série. Les éléments de l'énergie nécessaires à cette fabrication n'ont pas changé depuis les premiers âges de l'industrie humaine. Ce sont toujours l'eau et le feu. Voici le château où l'eau est enfermée, le château d'eau. Et voici la prison où le feu isolé dans des chaudières à mazout, comme dans des cellules, produit en grondant les calories essentielles. Vapeur, électricité, contact et la féerie industrielle commence. Les gueuses de fonte que soulève cet électroaimant sont une matière première que l'industrie moderne va transformer en voiture automobile. Opération fondamentale, la fusion. Le feu a fini son œuvre. Le moment de la couler est venu. Ainsi, tout fumant encore, le carter nouveau-né est entraîné vers son destin. Le démoulage des segments de piston offre un curieux spectacle. À côté de la métallurgie de la fonte et de l'acier, celle de l'aluminium paraît presque un divertissement. Question de température d'abord. La fonte ou l'acier entre en fusion à 1000 ou 1500 degrés, l'aluminium à 650. Question de couleur ensuite. La fonte est noire et triste, l'aluminium fondu semble du vif argent. La fonte d'un piston est une chose bien simple.
D'un trait de scie, il était barbé. Et s'il est contrôlé par un noir mélancolique, il est classé par une blanche souriante. Certaines machines moulent automatiquement et sous pression de petites pièces en aluminium et métal blanc à un rythme surprenant. Celles-ci, par exemple, sortent de moules à gaufres perfectionnées, livrent 130 pièces à l'heure et comme ces pièces sont composées de 8 manivelles de glace de portière, la production est donc de 1040 manivelles en 60 minutes, fois le joli record de 17 manivelles à la minute. Le convoyeur apporte les grosses pièces d'aluminium fondues au sable. Et tout converge enfin vers une sortie unique où peut s'exercer un contrôle méticuleux. Un autre aspect de la matière première employée à la construction mécanique d'une automobile est la barre d'acier. Vers la salle des marteaux pilons. En 10 coups de marteau, une barre est transformée en vilebrequin de moteur. La machine à forger la plus remarquable est celle de 1200 tonnes qui va débiter cette barre en ébauche de couronne de différentiel. De tapis roulant, un court séjour dans un four de réchauffement et la couronne recevra sa forme définitive en quelques coups bien assénés. Nettoyage au tambour. Et voici les pièces de forge rassemblées dans leur magasin. L'acier est encore utilisé sous forme de tôle. Les marteaux pilons sont alors remplacés par des emboutisseuses à froid, qui
qui peuvent, comme celle-ci, être de bonnes petites machines, faisant allègrement leurs 60 petites pièces à la minute et même davantage. Elles peuvent aussi être puissantes et fantastiques, comme cette 1400 tonnes, qui dans ce lieu sombre où les ponts roulants s'accrochent au plafond comme des araignées mécaniques, emboutit d'un seul coup les longerons de châssis, de camions et d'autocars. Que se passe-t-il? Que font ces silhouettes bizarres? Ce sont les hommes qui surveillent l'opération de soudure à l'hydrogène atomique, permettant d'assembler en un seul bloc certaines pièces embouties en plusieurs morceaux. Ainsi sont joints d'une façon indestructible les deux demi-cylindres d'acier en petit qui composent une carcasse de dynamo. Après la fonte, l'aluminium, l'acier, le quatrième rang des matières premières d'où est extraite une automobile revient au caoutchouc. Voici la mère du caoutchouc, grosse machine malaxeuse dans laquelle s'opère la parturition du mélange. Toutes les 20 minutes, dans un enfantement monstrueux, la masse de gomme, de soufre et de goudron sort à la lumière. Ils trouveront leur forme définitive dans une série de machines. Voici une boudineuse qui file le câble de caoutchouc auquel les carrosseries doivent une part de leur silence. Quittant le quartier des matières premières, les ébauches brutes des pièces qui composent la partie mécanique d'une automobile sont transportées dans le second quartier d'Autopolis. Ce quartier est une forêt, une sombre forêt de courroies, les ateliers d'usinage. Les pièces brutes sont livrées aux machines-outils tapies dans cette forêt. Perceuses, fraiseuses, tours, dépaisses, ronges et cisards. Après les coups du marteau-pilon, les ébauches de pignons ou couronnes font connaissance avec les couteaux des machines à engrenage. Cet orgue aux notes suraiguës perce en série les 42 tours nécessaires dans le carter de moteur dont nous avons vu l'éclosion à la fonderie. Ce carter va être chemisé. Il reçoit ensuite son vilebrequin et ses bielles. Le moteur va connaître maintenant l'allegro de la chaîne de montage.
Provenant d'une chaîne secondaire, voici la boîte de vitesse et le différentiel qui vont être aussitôt adjoints au moteur. Le bloc de traction avant de l'asset est complet. En convoyeur, le transporte au banc d'essai où passent chaque jour 250 de ses frères. Mille tours, 38 chevaux. Midi. Dans le grand hall où la sirène vient de retentir, le calme de la pause méridienne va succéder à l'activité de la ruche. Partout, le travail cesse. Les ateliers se vident. Se remplissent. Au restaurant des employés. Aux centrales téléphoniques, la vie est suspendue puisque les bureaux sont déserts. Reprise. Bientôt, le central téléphonique, contrôle automatique de l'activité d'autopolice, a repris sa cadence normale. 200 communications par minute. Dans les ateliers, le travail reprend. Allons voir comment se fabrique une carrosserie tout acier. Afin d'obtenir les surfaces nécessaires aux panneaux de grande dimension, les tôles sont soudées électriquement. Les tôles vont pouvoir supporter l'effort des grandes presses qui les attendent dans un majestueux alignement.
tôle posée sur la matrice d'un panneau de côté d'une carrosserie de 7 sera transformée en 3 opérations successives. Vers l'atelier de planage. Deux panneaux de côté seront ensuite assemblés par un panneau arrière. Ainsi charpenté, la caisse de la voiture va recevoir son auvent. Plus loin, dans une atmosphère de bataille, se monte la coque ou partie avant de la carrosserie. La jonction de la caisse et de la coque n'est plus qu'un jeu. Dans l'atelier mitoyen, les carrosseries recevront leurs portes amenées sans arrêt par un convoyeur à chaîne. Enfin, dans les ateliers de peinture, elle connaîtra le silence et le repos en pénétrant dans les fours d'émaillage. Pendant ce temps, tout son brillant harnachement de nickel et de métal chromé s'élabore dans les ateliers voisins de nickelage et de chromage. Un convoyeur se saisit des pièces polies, sans trêve. Il les emporte vers les cuves où elles seront cuivrées, nickelées, chromées, avec le plus complet automatisme.
Mais voici que la carrosserie, entrée il y a quelques instants dans les fours d'émaillage, en sort revêtue de sa couleur définitive. Elle va maintenant entrer sur les grandes chaînes de finition où, pendant une course ininterrompue de 1000 mètres, son ultime métamorphose va s'opérer en un peu moins de 5 heures. Les tapissiers s'en emparent. Aimanté. Lentement, mais inexorablement, la chaîne emporte maintenant les carrosseries vers l'étage supérieur. C'est le secteur du lustrage. Changement de secteur. La chaîne arrive maintenant à la hauteur des ateliers de Sellery où sans arrêt les coussins sont fabriqués. Tout comme les pièces mécaniques, ils subissent un contrôle méticuleux. On les essaye au rythme des poids lourds et à celui des personnes nerveuses. Comme toujours, un convoyeur à balancelle portera les coussins sans interruption directement de l'atelier à la chaîne. L'avance continue. La carrosserie va recevoir au passage ses premières ailes. Voici maintenant à la hauteur de l'atelier de montage des équipements électriques. Les câbles multiples sont mis en place comme un véritable système nerveux. La carrosserie commence à devenir voiture.
un autre stade de formation se présente aussitôt, la pose des sous-structures. Essieu arrière, réservoir. Le temps presse, 40 minutes seulement séparent ces voitures du moment où elles devront rouler sur la route. Au bout de la chaîne, une voiture s'enlève. Confluent, la chaîne carrosserie rejoint ici la chaîne mécanique. Voici à l'étage inférieur le bloc moteur tout monté sur l'essieu avant. Moment décisif, le bloc de traction avant est attelé à la carrosserie. Il ne reste plus que 250 mètres à parcourir. Encore 8 minutes. Essai de la traction.
réglage de la suspension. Et comme dans une prunelle écarquillée, la voiture emporte la vision fantastique de ses premiers mètres. Ainsi, toutes les deux minutes, une voiture naît dans Autopolis. Chacune s'en va vers son destin. Route de France. Sahara. Himalaya.